Bonjour, je suis Denis Toïla, chef de produit jardin chez Leroy Merlin en aménagement des sols extérieurs. Notre ambition chez Leroy Merlin est évidemment de trouver des produits innovants qui répondent aux usages et aux besoins clients. J'ai eu l'occasion de rencontrer la société Ecolab qui m'a présenté des produits issus des déchets ménagers à qui ils vont donner une seconde vie. Leroy Merlin a commencé à travailler avec nous l'année dernière. La plupart des pays en Europe ont fait le triage et on prend uniquement les meilleurs plastiques pour le recyclage et le reste est incinéré. Ici, rien n'est incinéré, tout est recyclé ici, sur site. Avec ces différentes sortes de plastique, on fait des matières premières et puis on utilise ces matières premières pour produire des produits finis. C'est l'opportunité de valoriser des produits, d'éviter de consommer trop de matières premières et de trouver des produits intelligents et intéressants pour les clients et les habitants. À l'époque, de plus en plus d'emballages se faisaient en plastique. Il n'y avait aucune solution pour ça. Demander aux citoyens de trier les plastiques, c'était le premier message. Pas mal de gens ont répondu à ce message positivement. Ce qui m'a donné envie de travailler avec Ecolab, c'est aussi leur philosophie de travail, leur philosophie de production. L'usine à Haute-Allen est à 100% écologique, c'est-à-dire on utilise l'eau de pluie pour le lavage des plastiques. À côté de ça, on a aussi une source d'électricité à 100% verte. Tout est recyclé et ça correspond parfaitement à ce que Leroy Merlin a envie de montrer dans ses gammes de produits. C'est important de recycler les matières premières au lieu de les jeter. Leroy Merlin est le premier en France maintenant qui a compris ce message. Ça m'a paru intéressant, tout vient de la matière des déchets ménagers. J'ai trouvé intéressant qu'on puisse donner une seconde vie à ces produits. Plus de gens en sont conscients, le plus facile ce sera pour trier les plastiques ménagères à la maison. Grand merci à tous les gens qui font déjà du tri aujourd'hui. C'est en faisant du tri à la maison qu'on peut offrir une meilleure future à nos enfants et à la planète.